Ce soir, on espérait bien débuter. Là, ça a été même un peu au-delà de nos espérances, quoi. Mais voilà, on a su marquer rapidement. Donc ça nous a fait énormément de bien. Concrétiser par la suite, avoir une marge assez intéressante pour pouvoir jouer de manière libérée. Donc ce qu'on a produit aujourd'hui, c'était vraiment bien. D'autant que bon, c'est un premier match de compétition. Donc je pense que dans deux ou trois matchs, on sera peut-être mieux, on aura plus de rythme et tout, parce qu'on a vu par moments on avait des petits creux, mais aujourd'hui c'était tout à fait normal. Donc on peut être vraiment satisfait de ce qu'ont produit les joueurs aujourd'hui. Ils ont tous donné le maximum et ils sont tous à féliciter. Merci, coach. La première rencontre, l'efficacité, elle était au rendez-vous. 4 buts pour la première journée. L'efficacité, c'est un critère très très important dans le football. Aujourd'hui, oui, c'est le constat qu'on peut faire. On a été efficace sur le plan offensif, en marquant 4 buts, c'était quand même pas évident. Et puis sur le plan défensif aussi, parce qu'on a concédé très peu de choses, on n'a pas pris de buts, on a été consistant au milieu du terrain. Non, dans toutes les lignes, il y a des motifs de satisfaction. Donc maintenant, ce n'est qu'un premier match, hein, bien sûr, hein, il faut rester les pieds sur terre. Mais il faut savoir aussi féliciter les joueurs. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à féliciter. Coach, vous n'êtes pas agacé le fait d'entendre la presse parler d'un éventuel départ de Daniel Sanchez et l'éventuelle arrivée de Youssef Ezzouaoui, par exemple? Si je lisais les journaux à longueur de journée, je serais peut-être irrité, oui, mais comme je ne les lis pas, donc je ne suis pas au courant, ça me passe par-dessus la tête. Quand il y a vraiment quelque chose de très important, on me prévient quand même, parce que bon, voilà, il faut être au courant de l'actualité, quoi, je dirais. Mais après, pour le reste, bon, on parle beaucoup, il y a beaucoup de rumeurs et tout. Moi, je fais mon travail, c'est ce que j'ai fait toute la préparation. J'ai fait mon travail, je suis professionnel, voilà. Je travaille pour ce club-là, je fais le maximum avec mes joueurs, avec mon staff. Après, tout ce qu'on peut dire à côté, bon, si on en disait un peu moins, ce serait certainement beaucoup mieux, mais je ne peux pas empêcher ça.